Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le Nishmat, mon livre, Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Aouda, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Zayin, Mishnah, Hey. Haomer, Are Alay, Toda, Yavi, Hi, Velachma, Minachulin. Toda, Minachulin, Velachma, Minamaaser, Yavi, Lachma, Minachulin. Toda, Minamaaser, Velachma, Minachulin, Yavi. Atoda, Hi, Velachma, Minamaaser, Yavi, ולא יביא מחיתי מעשר שני, אלא ממאות מעשר שני. Mishnah, très très simple. Avec peut-être deux, trois règles à comprendre, à expliquer rapidement. Tout d'abord, c'est quoi le maaser sheni? On va parler de maot maaser sheni. Lorsqu'on prélève une récolte, lorsqu'on a fini de récolter sa récolte, alors il faut procéder à différents prélèvements. Il y a la tourma gdola qu'on donne au Kohen, le maaser rishon que l'on donne au Lévi, et puis ensuite, il faut prélever une deuxième fois un dixième, une deuxième fois le dixième. Donc si on avait par exemple 100 kilos, on a prélevé d'abord la tourma, un cinquantième, on a donné 2 kilos au Kohen. Il restait 98, on prélève un dixième maintenant, 9,8 kilos, on le donne au Lévi. Après, il va nous rester, faites le calcul, 88,2 kilos. On va prélever de nouveau un deuxième maaser qui s'appelle le maaser sheni ou maaser ani. Donc on va prendre maintenant 8,82 kg de récolte. Et on va, selon les années, ça marche par cycle de 7 ans, ouais, avec la Shemitah, 1, 2, 4, 5 et 3, 6. 1, 2, 4, 5, c'est du maaser sheni, 3, 6, maaser ani. Quand c'est 3, 6, il faut donner au maaser ani, c'est-à-dire qu'il faut le donner aux pauvres. Quand c'est 1, 2, 4, 5, eh ben, ce que l'on a prélevé maintenant, on va le consommer soi-même, mais pas ici. On va devoir le prendre et le monter à Yerushalayim, et on va le manger à Yerushalayim. C'est là la règle prescrite, il y a une gdoucha dans ces fruits, et il faut le monter à Yerushalayim. Si on ne peut pas les monter eux-mêmes à Yerushalayim, on a la possibilité de les racheter sur leur valeur en rajoutant un petit cinquième, on fait un pidyon. On va avoir ce qu'on appelle des ma'ot ma'aser sheni. Au lieu de prendre ces fruits, d'aller les manger à Yerushalayim, on va prendre leur valeur. On va aller à Yerushalayim, et là-bas, il va falloir les dépenser pour acheter de la nourriture, acheter des shlamim, si on veut, aussi, des korbanot, et on va les amener au Metamigdash, de manière à ce qu'on va ensuite récupérer la viande pour la manger. Le but, en fait, de cette Mishnah, de cette halakha particulière du Maaser Sheni, c'est d'une certaine manière, Hachem nous a imposé de mettre de l'argent de côté pour partir à Yerushalayim, pour là-bas vivre en grand maître. Vous savez, c'est souvent l'approche des fêtes, faire participer tout le monde, faire des grandes nourritures, que ce soit plus sa mère, d'accord? C'est l'interprétation la plus grossière de la mitzvah, mais ça donne un petit peu l'allure. Comme ça, je t'impose à mettre de l'argent de côté, comme ça tu vas à Yerushalayim et tu dépenses bien large dans la nourriture, tu fais des grands repas avec plein de monde, tu mets des korbanot où tu vas manger la viande, t'invites tout le monde à ta table. Ça, on met maintenant de côté. Le maaser sheni, d'accord? Maintenant, on va parler d'autre chose. Il y a, lorsque je fais un vœu d'apporter un korban, alors, en général, on va dire que la plupart des vœux, il y a deux manières de prononcer le vœu. Soit je dis, je vais apporter moi-même un animal, Are Alai Lavi Toda, moi je vais apporter un korban Toda. Soit des fois on va désigner un animal. Bon, dans notre méchant, on va dire que cet animal-là, je vais le monter en korban. Une différence essentielle, un ça s'appelle un neder et l'autre une nedava. On va se concentrer sur le neder. Lorsque je fais le vœu d'apporter un korban, un shlamim par exemple, alors je suis obligé d'apporter un korban shlamim. Il y a une halakha particulière que je ne peux pas utiliser l'argent du maaser sheni pour accomplir mon devoir. C'est-à-dire, j'avais 100 shekels de fruits de maaser sheni, 1000 shekels. Je peux décider de prendre cet argent pour aller quand j'ai à Yerushalayim, je peux décider de prendre cet argent pour acheter des moutons, les faire en shlamim, après les manger avec toute ma famille. Aucun problème. Mais si toutefois j'ai fait un vœu d'apporter un korban shlamim, je ne peux plus payer ma dette avec cet argent du maaser sheni. C'est clair? D'ailleurs, à la fin des maasers, une petite parenthèse, avec le maaser rishon, c'est le même principe. On peut faire des mitzvot avec le maaser rishon. Le maaser de l'argent, maaser ksafim, excuse-moi, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Maaser ksafim, on peut faire des mitzvot avec. Je peux le prendre pour financer une bête à Knesset. Je peux prendre mon argent du maaser pour financer de l'étude de la Torah. Mais si j'ai une obligation
de payer de toute façon. J'ai fait un vœu à la Beit HaKnesset de toute façon. Après, je me dis, tiens, j'ai prendre le maaser pour le payer. J'ai plus le droit de payer. Pourquoi? Parce que quand je me suis engagé de payer avec ma poche, pas avec l'argent qui devait de toute façon revenir à la tzedaka parce que je devais prélever, j'avais une autre mitzvah. J'aurais pu faire le vœu de prendre cet argent pour le payer. J'aurais pu faire le vœu de prendre mon argent du maaser pour le payer à cette synagogue, à cette cause, à ce Talmud Torah, à cette yeshiva, à ces pauvres, à ce mikvé en construction. Toutes les... Ouais, mais à condition que je fais le vœu directement de le faire avec cet argent. Et si je fais un vœu de payer de ma poche sans shekel, je ne peux plus utiliser l'argent du maaser parce qu'on ne peut pas payer nos dettes avec le maaser, même quand c'est des dettes religieuses. On applique maintenant le même principe sur le maaser chez nous. Je peux décider de prendre mon maaser chez nous, d'aller à Yerushalayim, de dire, je vais prendre ce maaser chez nous, je vais en faire un des korbanot. Aucun problème. Je peux prendre ce maaser chez nous et je vais décider d'en faire un korban toda et d'acheter les pains du toda. Aucun problème. Mais si toutefois j'ai fait le vœu d'apporter un korban toda, je ne peux plus utiliser cet argent du maaser chez nous pour accomplir mon devoir. Cet argent du maaser chez nous, tu dois acheter des korbanot si tu veux, mais ton devoir, tu dois le payer avec ta poche. Donc tu n'as pas fait le vœu de payer avec cet argent-là du maaser chez nous. Vous avez compris dans ce cas-là le principe? Eh bien, toute la Mishnah vient m'enseigner les différentes variantes de ce principe-là. En jouant maintenant avec si j'ai fait le vœu pour le korban ou pour les 40 pains, puisque dans le korban toda, on apporte 40 pains avec. Et on commence avec le premier cas. Haomer are alai toda. Celui qui a dit, je prends sur moi d'apporter un korban toda. Hachem, il m'a sauvé, il m'a fait sortir de prison. Je vais apporter un korban toda, Yerushalayim, je fais le vœu blineder. Alors, la Mishnah m'enseigne bien. Yavihi velachma minachulin. Il devra apporter elle et ses pains, les 40 pains, minachulin, de l'argent profane, de sa poche, de sa propre poche, et pas de l'argent du maaser chéni. Il ne peut pas payer sa dette avec le maaser chéni, ni le korban toda, ni les 40 pains. Ensuite, s'il a dit toda minachulin velachma minamaaser, yavilachma minachulin. Voilà, c'est le cas particulier. C'est le cas où j'ai dit que je vais apporter le korban toda avec mon argent personnel. Mais les 40 pains, je les payerai avec le maaser chéni. Je fais un petit compromis avec... Comme ça, je prononce mon vœu. Je vais apporter un korban toda avec mon argent personnel, mais les 40 pains, je me permets de les dépenser. Il manque la notion de base, en fait. La Mishnah, elle a un peu sauté trop vite. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas dialectique. Je mets ça de côté et j'avance la phrase d'après, vous allez comprendre. Toda mina maaser velachma mina cholin yavi. Et même aussi le cas Atoda ve'i velachma mina maaser yavi. Je commence par le quatrième cas. Le cas où j'ai dit que j'allais apporter Atoda, hi velachma mina maaser. J'ai décidé que à cette année à Yerushalayim, je vais apporter un korban Toda avec les 40 pains, tout en payant avec le maaser chéni. Je fais le vœu. Ben lorsque je vais à Yerushalayim, je peux utiliser cet argent pour acheter un korban Toda, mon korban Toda, et même les 40 pains. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que a priori, j'ai fait le vœu comme ça. Je n'avais pas d'obligation d'apporter le korban toda. Dans ce cas-là, je me suis engagé d'apporter un korban toda avec l'argent qui est de toute façon désigné au maaser chéni. Il n'y a aucun problème. Mais, à la différence du premier cas, où j'ai dit que j'allais apporter moi un korban toda, sans préciser que j'allais le payer avec le maaser chéni, donc je ne peux plus payer ma dette avec le maaser chéni. Je remonte maintenant un cas en le troisième cas. C'est le cas où c'est toda mina maaser velachma mina chulin. Si j'ai fait le vœu d'apporter le korban toda mina maaser avec cet argent du maaser, mais j'ai fait le vœu que malgré tout, les pains, je vais les payer de ma poche. Eh bien, dans ce cas-là, Yavi, il n'y a aucun problème aussi, tu pourras les apporter. Pour le moment, c'est très simple, c'est très clair. Parce que je peux limiter, selon ce que je m'engage, en fait. Lorsque j'ai dit que j'allais apporter le korban toda mina maaser, ça n'a pas engagé ma poche. Lorsque j'ai dit que j'allais ensuite apporter même les pains, que j'allais apporter les pains de ma propre poche, donc ça m'engage à emporter les pains avec ma poche. Et si j'ai dit que j'allais apporter les pains avec l'argent du maaser, de nouveau, tout fonctionne. La petite feinte, elle est justement dans le deuxième cas de la Mishnah, je reviens dessus maintenant. Toda minachulin velachma minamaser yavi lachma minachulin. On parle de quoi? Quand que je dis, je vais aller à Yerushalayim. Le korban toda, je vais le payer de ma poche. Mais par contre, les 40 pains, je vais les payer avec le maaser chéni. J'ai prononcé comme ça mon vœu. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que non. Les 40 pains, je devrais aussi les apporter minachulin de ma propre poche personnelle et pas de l'argent du maaser chéni. Raison très simple. Lechem batar toda grire. Comme ça, le partenariat rapporte. Delechem nigra rachara toda, il a dit en hébreu cette fois-ci. C'est une phrase connue qu'on rencontre fréquemment dans ce perek. Lechem nigra rachara toda. Le lechem, le pain, il est engagé, il est entraîné par la toda. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'apporter un korban toda sans pain? Bien évidemment, non. Lorsque tu as dit que tu allais apporter un korban toda de ta poche,
ça implique que le pain, il va avoir le même statut. Donc, tu vas être obligé de l'apporter de ta poche. Ça n'existait pas d'apporter un korban toda et le pain avec le maaser. C'est impossible, c'est incompatible. Ouais, le maaser, dès que tu dois apporter un korban toda, tu as force, et que tu l'as dit, que tu as dit que tu allais la payer de ta poche. Un des composants de la toda, c'est d'apporter ses 40 pains. Tu dois aussi les payer de ta poche. Parce que ton engagement, il est d'apporter ta toda de ta poche. De ce fait, tu ne pourras plus payer le pain avec l'argent du maaser. À la différence du cas d'après, où cette fois-ci, tu as dit que tu allais apporter le korban toda mina maaser. Maintenant, tu n'es pas obligé, lorsque tu dis que tu vas apporter un korban toda mina maaser, tu n'es pas obligé de l'apporter du maaser. Tu peux décider finalement de le payer de ta poche. Ouais, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Tu as dit que tu pourras le payer même avec le maaser. Ça n'implique pas de le payer que avec le maaser. De ce fait, tu as dit que tu allais apporter le pain que de ta poche. Cette fois-ci, tu as engagé ta poche de nouveau de payer. Et donc, tu ne pourras plus le déduire du compte du maaser chéni. Et tu devras le payer le pain de ta poche, par contre. D'accord ? Donc, Toda mina maaser valachma mina choulin yavi. Si elle a dit le korban Toda avec l'argent du maaser chéni, mais que le pain il sera choulin, il sera obligé de l'apporter tel quel. Et yavi komoshenada. Par contre, si c'est à Toda, hi et belachma mina maaser yavi. S'il a dit qu'il a l'apporté le korban Toda et les 40 pains, mina maaser yavi. D'accord ? C'était vraiment simple. Principe, vous avez bien compris le principe. Maintenant, la Mishnah continue avec une petite halakha. Velo yavi michitei maaser sheni ela mimeot maaser sheni. C'est un peu pour ça en fait qu'on a présenté le cas le plus nécessaire en dernière position pour pouvoir allonger dessus et rapporter cette phrase importante. J'explique, c'est très bref, très simple. On vient d'apprendre que lorsque j'ai dit que j'allais apporter le korban toda et les 40 pains, j'allais les payer avec l'argent du maaser sheni, alors j'ai le droit de les apporter avec l'argent du maaser sheni, il n'y a aucun problème. Maintenant, lorsqu'on te dit d'apporter avec le maaser sheni, on te parle de l'argent du maaser sheni et pas le maaser sheni directement. Je m'explique. Lorsque j'ai ma récolte de blé, il me restait donc, je vous ai dit, 8,82 kg de maaser sheni, de blé à apporter à Yerushalayim. J'ai deux solutions. Soit je le prends lui et je monte à Yerushalayim et je le consomme à Yerushalayim. Soit, si c'est trop lourd, c'est pas pratique, la Torah m'a cédé la possibilité de le racheter. Je prends de l'argent à la contre-valeur, je transfère la Kdoucha sur l'argent, et de l'argent, je vais partir l'acheter à Yerushalayim et le dépenser. Lorsque j'ai fait le vœu d'apporter un korban toda avec l'argent du maaser sheni, avec le maaser sheni en fait, la Mishnah m'enseigne, tu pourras prendre l'argent pour aller à Yerushalayim et acheter le korban toda, et avec l'argent aussi, tu vas apporter aussi, tu vas acheter les 40 pains. Mais tu ne pourras pas prendre de la farine maaser sheni et monter à Yerushalayim pour fabriquer les 40 pains. Étant donné que le korban toda, c'est un hekesh, par juxtaposition, on juxtapose le pain au mouton, à l'animal que tu vas prendre en korban. Au même titre que l'animal que tu vas prendre en korban, il vient nécessairement du rachat du maaser sheni. Tu as racheté la gdusha, tu as transféré la gdusha sur de l'argent, et avec cet argent, tu as acheté le korban maaser sheni, avec le korban toda, avec cet argent du maaser sheni, tu as acheté le korban toda. Tu dois procéder de la sorte aussi pour apporter les 40 pains, prendre l'argent pour acheter du pain pour le maaser sheni. Et tu ne pourras pas porter ta farine directement de maaser sheni. C'est ce que la Mishnah m'enseigne, c'est un hekesh. C'est par juxtaposition, je ne pense pas qu'il y a une logique évidente forcément dans ça. La Torah a fixé la règle comme ça. Et je traduis la Mishnah. Velo yavi michite maaser sheni. Il ne pourra pas apporter son lelachmet toda avec le blé directement du maaser sheni. Elle a mis méot maaser sheni, mais uniquement avec l'argent sur laquelle il a transféré la gdusha du maaser sheni, parce que, comme on a dit, c'est delechem dumia de shlamim bainan, comme ça a dit le Bartanora, il faut que le pain soit semblable au shlamim. Autant que le shlamim, tu les apportes avec l'argent du maaser sheni. Idem avec l'achmetoda, tu dois les apporter avec l'argent du maaser sheni et pas le maaser sheni directement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha kol tov, salam.